Salut tout le monde, je m'appelle Steve Lars. Yeah. Encore tu préfères? Ouais, mais regardez. Viens, on va regarder ça ensemble. Regarde ça. La dernière vidéo, il y a 5 jours, 108 000 vues, d'accord? Disons, je clique dessus, ok? Regardez ça. 8825 likes pour 243 dislikes. Le ratio est insane. Les commentaires, vous adorez ça. Ici, il y a 2 semaines, 132 000 vues. La première que j'ai fait, 132 000 vues. Si je regarde la moyenne de mes autres vidéos, 39 000, 31 000, 20 000 et tout. Ça, Beseech, par contre, ça a toujours cartonné, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Ça, merde, Ori and the Blind Forest, pourtant, c'est un si bon jeu. Seulement 9 000 vues. Mais c'est pas grave, je me plains pas. Mais je veux dire, vous adorez ça. Et ça tombe bien, parce que tu préfères. J'adore ça. Je lâche tellement mon fou. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, Steve, on trouve que tu overreact et tout. Non, je me laisse aller. C'est ça que je trouve cool, on dirait que ça fait sortir le méchant, tu vois, il y a des gens qui aiment ça aller dans un party, un gros rave, ce genre de truc, parce qu'ils peuvent lâcher leur fou, mais on dirait que c'est un peu comme si, dans Tu préfères, j'arrive à lâcher mon fou, et ça colle à ma fucking personnalité, tu vois, je veux dire, je peux vraiment comme élaborer des histoires, faire des sketchs, je sais que je réponds pas nécessairement à plein de questions, mais c'est le côté qui est super cool, ok, c'est parti. Commence tout de suite, on se met dans le bain, trash, 18 ans et plus, trop moins de questions. Tu préfères plonger la tête dans une mare de merde ou avoir des vers de terre dans le cul? Sérieusement, j'ai un certain dégoût pour le caca. Je crois comme la plupart des gens... Girl, One Cup, Represent. Bon, il y avait du vomi aussi là-dedans. Mais, je veux dire, plonger la tête, je veux dire, dans une mare, tu vois, comme une fosse septique. Hein? Beaucoup de caca. Non! Une toilette bleue. Une toilette chimique. Un WC bleu. Tu vois, tu rentres à l'intérieur. Comme ça, là. Imagine, fais-toi l'image dans ta tête, d'accord? T'as la cuvette, l'endroit que personne veut aller s'asseoir parce que t'as pas envie de toucher à rien. Et là, tu te plonges la tête comme ça et tu la rentres. Fais-toi l'image, tu vois? OK, donc, ou avoir des vers de terre dans le cul? Au pire, ça va chatouiller. Ah, il y a des gens qui font des vers solitaires. Hein? Tu sais, le grand ver blanc qui parcourt des mètres ton intestin. C'est un peu le même principe. Je vais prendre des vers dans le cul. 34%! Merde! Aujourd'hui, je suis vraiment pas dans la majorité. Je crois que les gens ne se sont pas fait le scénario comme moi je viens de vous faire, hein. Je suis sûr qu'après ce que je viens de vous dire, vous préférez avoir des vers de terre dans le cul. Au pire, tu les pètes après. Hein? Tu les pètes! Voilà! Alors, next! Prochaine question, mon ami! Allez, sors-moi-en une bien violente. Niquer ton ou ta petite ou petite amie, et la tuer ensuite, ou t'abstenir pendant un an et qu'il vive. Et qu'il ou qu'elle vive. Ben, je vais m'abstenir, bordel. C'est ridicule. Il y a quand même 836 fucking psychopathes qui sont pas capables de ranger leur queue dans leur pantalon et qui sont quand même prêtes. Pense-y deux secondes, c'est fucking insane! Et là, il y a des gens qui vont me dire, hey, Steve, c'est pas tout le monde qui joue sérieusement à ce jeu et tout, toi tu le prends vraiment. Oui! D'accord? Je prends ce jeu comme si c'était un examen universitaire. C'est du sérieux, ce putain de jeu. Mais tu vas arrêter de descendre, bordel! Tu vois, j'ai comme un... Quand je donne des coups sur mon bureau, ça fait un scroll automatique. Bon, ça le fait plus. Évidemment, parce que je voulais le refaire, ça le fait plus. Alors, non, je disais, merde, tuer, fuck off! C'est n'importe quoi! T'abstenir un an, tu te crosses, c'est tout. Je veux dire, tu te branles, tu testicotes la verge, point final! Tu préfères lécher ta merde ou lécher la merde d'un autre? Je vais licher ma merde. Pourquoi 94%. Tu vois, il y a plus de monde qui ont envie de tuer leurs amis que de licher la merde d'une autre personne. C'est moins pire tuer quelqu'un d'autre! Pour se tremper le pinceau. Enfin bref. Mais je veux dire, non! T'as le choix!
dire, au pire, tu dis, c'est la mienne, c'est à moi. C'est quand même... C'est vraiment moins pire. Ah, vraiment. Donc, tu préfères baiser ta prof qui a un gros cul et des petits nichons ou baiser ta prof qui a des gros nichons et un petit cul? Eh ben, mes amis, je dois vous dire que j'ai toujours aimé les belles fesses, tu vois, avec un beau balbe. Le balbe, c'est la fameuse... Vous savez, une fille qui est en legging ou ce genre de truc qui vous fait une belle petite forme, une belle petite découpe. Ça, c'est absolument génial. Et ça adonne que moi, personnellement, je préfère les petits seins. Les seins de dimension normale. Hein? Des gros nibards, des gros melons, des gros nichons, des trucs énormes. Ça me fait pas halluciner, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer comme la majorité des hommes, hein, je veux dire, des gros totons. Non, c'est pas... Non, je préfère quelque chose, non, je sais pas, c'est plus joli, c'est plus beau, mais un bon foufounier, merde, ça c'est vraiment cool. Allez, un gros cul, 59%, quand même, ouf, tu es normal, c'est quand même serré, mais ça dépend des goûts, tu peux pas vraiment, voilà, les goûts, ça se discute pas. Tu préfères, comme par exemple la pizza, voilà, moi la pizza, ce que j'aime, c'est pepperoni fromage avec des piments forts dessus. Je trouve ça génial. Il y en a qui la préfèrent all dress. Il y en a qui la préfèrent all dress. Je crois que c'est même une expression québécoise. Il me semble que les Français disaient qu'ils se... Enfin bref, ça veut dire toute garnie, hein, tout simplement. On dit all dressed au Québec. Tu préfères la pétanque ou les échecs? Les échecs. J'aime bien. Et tabarnouche. Tu es très très bizarre. Non, pas tant que ça. Ça c'est... Non. Excuse-moi, mais ça dépend des goûts. By the way, j'ai 4000 abonnés sur Facebook, fait que ta gueule, bitch, tu t'assois. Tu préfères lécher un stylo après qu'un pouilleux l'ait touché ou te mettre le même stylo dans le cul? Ben, je vais le lécher. Un pouilleux l'ait touché, je veux dire. Mais on s'en fout! Tu vas pas mourir parce que tu lèches un stylo, mais là, commencer à se rentrer des trucs dans le cul parce que t'es dédaigneux? Non! C'est quand même 50-50! Il y a beaucoup de gens qui sont fucking dédaigneux. Je sais plus boire, putain. Tu préfères baiser Rihanna, mais avoir un petit sexe, ou baiser Mimi Mati, mais avoir un gros sexe? Je sais même pas c'est qui, Mimi Mati. Ah! Bah, c'est pas... C'est pas qu'elle est laide. C'est sûr que sur cette photo, on va se dire qu'elle est pas à son meilleur. Hein? Voilà. Mais on fait tous des yeux croches des fois. Bah allez, on va se faire Rihanna avec un petit sexe. Voilà. 74%. Pas mal, pas mal. Question suivante. Et la dernière, pourquoi pas. Tu vas te charger, oui ou merde? Tu préfères les grosses bites de noir ou les kiwis? On va prendre les kiwis, hein, je veux dire, pas que j'ai quelque chose contre les bites de noir, j'en ai rien à foutre, mais t'aurais dit une grosse bite de blanc, une grosse bite de noir, une grosse bite d'asiatique, une grosse bite de peu importe, une grosse bite tout court, ben, je préfère les kiwis, je veux dire, moi qui parlais, quand il parle de kiwi, est-ce qu'il parle vraiment du fruit, ou il parle des couilles? Et là, je me fais appeler. J'ai pas le temps de répondre! Je suis en train de faire... Je réponds à des questions existentielles. Tu comprends? Je crois que je vais quasiment répondre et je vais lui dire « Tu préfères une grosse bite de noir ou des kiwis? » J'aurais presque dû le faire. Sauf que c'est parce que c'était une compagnie. Ça aurait été quelqu'un, un ami qui m'aurait appelé. Je l'aurais fait. Sauf que là, c'est parce que c'était un commerce. Hein? Je veux dire, tu fais pas vraiment ça. Ça aurait été drôle. Mais s'il parle des kiwis, qu'il parle des testicules, je me suis fait baiser. Donc, voilà. C'est limite, on va dire que c'était le fruit. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, mes amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, surtout si vous voulez un autre épisode encore, parce que vous aimez ça. J'ai bien hâte de voir si les statistiques continuent, si vous adorez toujours ça. Moi, honnêtement, j'ai encore eu autant de plaisir
à vous faire cet épisode. Et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Alors voilà, deux vidéos s'offrent à vous. Je vous invite bien entendu à aller les voir. Si t'as pas vu les autres, tu préfères, va les voir. Sinon, clique sur mon logo ici pour t'abonner. N'oublie pas d'activer la petite cloche si tu veux être notifié de mes prochaines vidéos. Et nous, on se revoit dans un prochain épisode. Alors sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye!